Ma vie était vouée à ma famille. Mais... je n'étais loyal qu'à moi-même. Je me nomme Sir Lee, héritier d'une famille depuis longtemps oubliée par l'usure du temps. Digne représentant des valeurs chevaleresques et de l'héroïsme depuis des générations, mon nom s'est perdu, effacé des mémoires. La pluie, froide et puissante, tombait contre mon armure et me lacérait le visage, mais elle n'émoussait en rien mon désir de quête et d'aventure. Je connaissais mon but, redonner à ma famille honneur et fierté, en traquant le traître. Le régicide était la clé du renouveau de mon titre et de ma gloire. On m'avait au préalable prévenu de la présence des créatures belliqueuses qui peuplent dorénavant le monument du roi défunt possédé par un mâle. Chevalier corrompu par la parole empoisonnée du traître, mage encapuchonné, zombie livide sans âme, cyclope, squelette, ainsi que des pièges rotors immortels. Mais il en faudra bien plus pour m'arrêter et me vaincre. J'arriverai jusqu'au traître, je l'affronterai, je le briserai, et je lui ôterai la vie pour laver de son sang ce déshonneur. Je suis entré dans ce château comme un bretteur, un épéiste, un sauveur même, et je le quitterai plus grand et plus fort qu'au départ. Mais je commence maintenant à douter de moi, de mes capacités et de ma réussite. Le donjon était vaste, mais pas assez pour assécher ma soif de conquête et de gloire. Une porte imposante. Je connais cet adversaire. Son nom, Kydre, le gardien, cyclope géant et indéfectible. Il est puissant, mais pas suffisamment. Je sais comment le battre, je n'ai pas froid aux yeux, et la victoire sera mienne. Moi qui doutais de mon succès, me voilà de nouveau d'aplomb, les muscles bombés et le courage de nouveau est ressourcé. Je n'ai plus l'ombre d'un doute, ma réussite est assurée. Même si le chemin qu'il me reste à parcourir est semé d'embûches, je vaincrai. À présent, je dois passer par la forêt d'Abkhazia, qui borde les murailles du château pour trouver ma prochaine cible, Alexander l'Immémorable.
Malgré mon assurance, la suite s'avère beaucoup plus corsée. Je connais mal ces horreurs qui prennent toute forme. Ces créatures cherchent à défendre le traître et tentent de m'abattre. Les pièges sont encore plus dangereux et difficiles à contourner. Je dois garder mon objectif en tête. Ma famille, mon honneur, ma fierté, ma gloire. Si je fais ça pour mon nom, je le fais pour moi-même. Blessé, meurtri, je me sens faible à présent. Il faut que je retourne sur mes pas. Il faut que je retrouve des forces et... Abattu par un simple piège. Que vais-je laisser comme...